Eh bien salut tout le monde, ici Thunder. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de notre aventure de super-héros sur Spider-Man. Alors, on va continuer tout simplement. Donc pour l'instant je n'ai pas trop de quêtes principales, donc on va trouver des trucs à faire. Alors toi t'es où? T'es ici. Hop. On a un jeton ici. Wow, monte. Tu te calmes. Ok, nickel. Peter, Monsieur Lee m'a parlé et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. On sait juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. Je vais les perdre. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et l'admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, tante May. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Très bien. Alors, Ah ! Mais non ! Attendez, j'ai... Allô ? Peter ? C'est le docteur Octavius. Fais chier, je me fais toucher, là. Tout va bien ? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ah bah oui, bah... Ça, c'est pas sympa. Je suis en train d'arrêter une voiture, ok. Allez. Ok. Eh ben ça c'est nickel. Arrête ta voiture, ça c'est blessé. Mais comment ça je me suis pas blessé? Il a bien un peu... Oh. Très bien. Très bien, on n'a pas... J'ai pas compris. Allez, bah ouais, écoute, frérot. Voilà. Voilà, c'est terminé. Allez, on va avancer vers la quête principale. Est-ce qu'on a des monuments ou des trucs comme ça dans le coin? Attendez, je regarde où on est. Comment on dézoome comme ça? Ma quête, elle est là-bas. On a des trucs là sur le chemin. On va faire quelques... Oh. Je viens attendez. À l'essayage. J'arrive tout de suite. Ces retards de vie. Ouais, ça fait deux fois que je te coupe, pardon. C'est quoi ça en fait? Mission annexe. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaut mieux que ça. Jean. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? J'ai envie d'aller voir là-bas ce que c'est ça, avant de continuer vers. Notre cher docteur. 207, enlèvement signalé. L'appel provient de Little Italy. Allez. Il y a beaucoup de bruit à New York. Mais mon masque peut isoler les sons étouffés. C'est quoi ça? Par exemple, ce on peut le faire vite fait. On va le faire vite fait. Ils sont où? What? Attention, chaud devant. What? Il y avait pas un truc là? Je sais pas, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, on y va. What? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu, j'ai un truc à droite. Ça doit être une de ces voitures. Ah, y'a une... Y'a l'air d'avoir un truc là, à 3 mètres. Mais quoi? Mais de où? Ouais, mais voilà, c'est là. Ah, d'accord. Du calme, je suis là. Oh, oh mon Dieu, merci. Je hais les espaces confinés. Attention, les voilà. Ok, calme-toi. Éloigne-toi de ma caution, c'est pas normal. Je sais pas comment il fait tout ça. Allez. Hop, ça dégage. Ah non, j'ai pris ma part. Ah, j'ai fait le chou, je m'ai été. Oh,
Allez. Bah oui frère, je suis Spider-Man. Allez, ferme là. Toi là-bas, tu me saoules. Ah maintenant c'est vrai qu'il me semble que je peux arrêter les... Je me demande pourquoi on parle de kidnapping même quand la victime n'est pas un enfant. Elle est où ma mission annexe? C'est vrai que maintenant je voulais dire que... je peux normalement arracher les armes des adversaires. Donc on testera ça. Alors. On a une mission annexe juste ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Réseau en panne. Bon, je sais que vous avez piraté les tours de notre système anti-crime. Non, c'était pas moi. Je veux dire, quel tour? Laissez tomber. En fait, j'ai besoin de votre aide. Je pense que quelqu'un brouille le signal et que cette personne utilise plusieurs dispositifs pour couvrir toute la plage de fréquence. Vous voulez bien jeter un œil? Si vous m'aidez, je dirai rien à personne pour le piratage. Je vois plutôt ça comme du partage, mais... Ok. Très bien. Les brouilleurs émettent un signal identifiable. Il me suffit de me balader dans le quartier des affaires à sa recherche. J'ai trouvé un signal. Par là. Il me suffit de le suivre. Ça a l'air d'être par là, bon, on va voir. On a un bâtiment là. Juste ici. Non, c'est pas ça. Trop bien. Voilà. Alors. Les dispositifs de brouillage fonctionnent mieux en hauteur. Les signaux les plus forts proviennent sûrement des toits. Ça va être par là, je sais pas si c'est ce bâtiment là. Ça a l'air d'être là. Des hommes de fisc, ça pour une surprise. Très bien, toi t'as pris ta part. Ok. Allez, bam, ça passe. Wow, calmez-vous. Tiens. Ok. Toi t'as pris cher. Ah non. Ok, ça va, j'ai failli faire une connerie. Ah bah les mecs là je les tue en fait, ils sont... Ah bah... Il faut que je détruise ce brouilleur. Mais les mecs sont totalement morts. Le travail sera terminé quand j'aurai mis ce brouilleur en pièces. Ok. Mais quel travail. Ça c'est fait. J'ai détruit un dispositif de brouillage, c'est mieux? Non, mais comme je le disais, il devrait y en avoir plusieurs. Logique, je vais les trouver. Allez. Je me demande si c'était pas les hommes de Fisk qui avaient neutralisé le système au départ. Mais écoute, c'est totalement possible, frérot. Donc on en a un qui est par là. Pas très loin, ça va être là-haut, on va monter. Des malfrats réunis sur un toit. Oh lol. Ah, je prends ma part là. Là. Ah, mon dieu. Ok. Ça passe. Non, putain, j'ai pas su. Allez, boum. Ah merde, je fais ça. Oh
Regardez-moi ce débile là-bas. Oh putain. Il m'a mis trop cher. Ça va me faire recommencer où? Il me suffit de me balader dans le quartier des affaires à sa recherche. J'ai trouvé un signal. Il me suffit de le suivre. Des malfrats arrivent sur un toit. Ça s'embrouille. Ok, ça passe. Ceux qui prennent leur part. Oh, toi t'as pris cher. Oh putain, lui par contre. Ouah, mais j'arrive pas à le toucher. Mais frère, voilà. Ah, lui le relou quoi. Ok, celui-là ça a des bons. Ok, ça s'est fait. Et il en reste un. Et ça fait du bien. C'est par où? C'est par là tout simplement. Spider-Man, ça fonctionne. Je commence à capter un signal faible. C'est confus, mais je crois qu'il est question de Fisk et de tenue. Fisk était un trafiquant, mais il faisait pas dans la contrefaçon de vêtements. Plus vite j'aurai restauré le système, plus vite je saurai ce qui mijote. Ici. Il reste plus qu'un brouilleur. Quel grand building du quartier j'ai pas encore contrôlé. Père de ce bâtiment là encore. Rien de bizarre ici. Pour qu'il fonctionne okay, encore, le dernier dispositif de brouillage doit se trouver sur un toit, très haut. C'est bon, on l'a trouvé. Ah oui. Ah oui, pour voir les ondes à ce point. Pourquoi on a besoin de ces brouilleurs? Ok, vous prenez votre part. Waouh! Ah putain! Et bon, là c'est clairement qui prend leur part. Oh putain, j'aime pas quoi. Allez, hop, ça dégage. Wow. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Ok. Ok, j'ai fini par y arriver. J'aurais été mort là sur ce dernier truc, j'aurais pété un pont. Et voilà, c'est bon. Bien, c'était le dernier. Le système devrait à nouveau fonctionner. Le système anti-crime est reparti. Super! Du nouveau sur les âmes de Fisk ou ses tenues? Non, mais le système signale une activité illicite quelque part sur les quais. Je vous envoie les coordonnées. Je vais voir ça. Putain, on a une vue tellement magnifique. Ah, c'est pas fini! Mais c'est clairement pas fini! Mon dieu! Bah allez, on continue. Ma quête n'est pas finie. C'est quoi le bâtiment qu'on doit faire?
Je crois que c'est celui-là. Ok. Allez. Ça part d'être ça, alors c'est ça. Mais putain! Ah, ok. J'avais oublié à quel point j'aimais la photo. Ok, ça c'est fait. Pour monter une petite armée. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça, mais ça me plaît pas. Il faut que j'en sache plus sur ces armes. Eh ben. Du coup, là, il faut buter tout le monde, c'est ça? Espèce de là. Non, j'ai pas le choix. Allez. Allez, boum! Oh, mais c'est beau ça! Allez, tiens, toi tu prends ta part. Ah merde, j'ai failli. Pas très grave. Allez, boum! Il y a des mecs ou pas? Ouais. Oh là là, le combo qu'il a pris lui, il était pas prêt. Comprendre ce qui se passe. Alors, regardons. Des armes, des uniformes de gardiens de prison et des faux papiers. Il comptait faire sortir Fisk du raft. Mon Dieu. Mais votre plan d'évasion tombe à l'eau. Oh putain. Bon, ça le pouvoir de lui, j'ai toujours pas compris ce que ça fait. Putain, je vois rien, allô? J'ai pas envoyé là où je voulais. Ah putain. Ok. Est-ce que c'est bon? Mais ça a l'air d'être bon. La police de New York va pouvoir prendre le relais. Tout est bon de mon côté aussi. Merci d'avoir restauré le système, Spider-Man. Je dirai à personne que vous êtes connecté, mais si vous vous faites prendre, il faudra pas compter sur moi. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Si vous permettez, j'ai des selfies à effacer sur les serveurs du système anticrime. Très bien. Eh ben c'est pas mal tout ça. On a fait une grosse quête secondaire du coup. C'est pas mal. Eh ben je vous propose d'aller voir le docteur Octavius. Mais peut-être qu'on fera ça que dans l'épisode prochain, je sais pas. On a fait quelque chose en quête principale. Non, je crois. Vous avez quoi? Ça dure un peu plus longtemps, tant pis, on va y aller vite fait faire un tour. C'est pas très... Non, on ira dans l'épisode prochain, voilà, allez.
comme ça tout est dit. Aujourd'hui on n'aura pas fait grand chose, enfin si, ça aura été mais plus de la quête secondaire qui sert pas à grand chose à l'histoire. Mais bon voilà. Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchères Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques, des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Et vous, qu'en pensez-vous? J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais Spider-Man, il a arrêté ses types. Vous le rangez dans le même panier, juste parce qu'il porte un masque. C'est un préjugé. Faux! Petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coins de la ville. Il porte un masque pour ne pas avoir à répondre de ses bourdes et un costume tape à l'œil pour attirer l'attention sur son égo démesuré. Alors imaginons que je sois un déséquilibré et que moi aussi je veuille qu'on parle de moi dans les médias. Eh bien, je vais faire tout comme lui. Et New York court à sa perte! À toutes les unités, civiles en détresse à la suite d'un grave accident de voiture. Incident en cours dans le quartier de West Village.